persos sont complètement différents. Le seul point commun qui est quand même perso féminin. Luffy, par l'expérience à Street 4, c'est quoi ton pronostic là sur, moi je vois bien Viru gagner. À mon avis, le match-up est plutôt difficile pour Rose. Si Viru a bien tapé. Et c'est parti, Viru. Et il joue l'ultra. Il joue l'ultra, c'est-à-dire qu'il va Luffy provoquer. Il va probablement provoquer Luffy au corps à corps. Et Luffy, il joue l'ultra. Pour punir, tu sais, tous les Tsurugi dans le vent et ces machins-là. Parce qu'elle saute beaucoup, un jeu très aérien tout de même. Allez, c'est parti. L'un des plus beaux matchs de ce Bushido Impact International. Viru contre Luffy, j'espère qu'ils ne nous font pas un bouton check et que c'est directement lancé. Fight. Et non, c'est parti. Hey, hey, hey. Avec le premier dash avant shop, placé par Viru. Et dash avant Karakusa, évité par le back dash de Luffy qui a été poussé par ce dash avant. Et qui s'extirpe maintenant tout juste. Le Bimpe qui touche en entière. Tsurugi late, tu as vu. Et il l'est fait, Les late Tsurugi, ils sont très utiles. Et t'as l'impression qu'ils peuvent pas venir. Le ex Yate qui n'a pas été puni par Luffy. Et l'avantage pris par Viru dans ce round. Il claque les satellites dans la garde. Et la chop qui whiff malheureusement. Luffy qui a un peu de mal peut-être à rentrer dans ce match. Voilà, glissade, chop, déchopé par Viru. Avec un dash avant qui prend la glissade. Mais là, je tente back dasher même si ça touche à cet instant là. Non, il a raté son Tsurugi là. Il va prendre une back throw. Ah, ça, c'est une mauvaise position pour Viru. D'autant plus pour son petit pied. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi le reflect n'est pas passé. Oh, dash avant, chop dans le whiff de Viru. Et le avantage pris par Luffy. Il va lui tenter n'importe quoi. Bien joué ce cancel qui vient faire deux hits sur la saving. Et le premier round prépare Luffy alors que c'était compliqué. Et pourtant, il a chargé sa barre de super. Nuance round. Il est très très bien parti. Allez, dash avant stand medium kick avec encore avec Tsurugi. Et c'est contesté par le sous spiral. Et stand medium kick comme il dit avec Luffy qui est très prudent. Mais qu'est-ce qu'il utilise bien la glissade dans ce genre de truc là. Il glisse quasiment sur tous les dash avant de Viru, paralysant un tout petit peu son jeu. Ah, voilà, ça va faire mal à Fukage. Le Tsurugi dans le vent. Qu'est-ce qu'il veut lui faire comme il stop. Ça n'a pas un MP Orochi. C'est la garde mise avec un Tsurugi qui passe dans le vent et qui maintient une bonne pression. Et Luffy qui est obligé de craquer. C'est sous le satellite, sous la pression pour repousser un peu les ardeurs de l'ami suisse. Tente de placer une chope entre le sous-satellite. Mais la déchope est propre. Oh là là, il confirme dans le bas medium kick directement la super. Il n'a pas le temps, il tâche tap tâche pour pousser le cadavre le plus proche possible du coin. Il n'y a pas gros point mais préfère juste bagager dans le Tsurugi. Avec cette medium punch, pas gros point. Et Sage ou Sage la Tsuki. Dans un Tsurugi, arrivé tard encore. Arrivé très tard. J'ai l'impression qu'il utilise de plus en plus de light Tsurugi. Viru. Et ça perturbe évidemment ses adversaires. Ouais, Spiral qui a whiffé sur le balai kick. Et Luffy qui profite. Ouais, Yex Karakusa, il va lui mettre gros point. Fin Clive Punch, il a essayé de mettre max combo. Yate fin, Clive Punch MP à Yate. Il s'est pas passé. Oh, il préfère faire stand, medium kick balayette pour remettre au sol. Juste après cette phase là, il est bien. La Viru, il est très bien. D'en plus, sur le Tsurugi vient de mettre à terre. C'est MLP, c'est MLP de Hulk avec Yate. Qu'est-ce qu'il y a Fukage avec ce Tsurugi? C'est le 0 de vital. Et c'est le premier set pris par Viru. Ah, comme je vous dis, le match-up est compliqué quand même. Et là, Luffy, il est sous pression. Sous pression, balayette directement dans la glissade. Et fait pas saving à la relevée. C'est caché par l'Orochi. Armor break, bien entendu, d'entrée de jeu. Avec une survie de chop. Et c'est Luffy qui a toujours raison sur ce jeu de chop. Re-chop. Il lui met une troisième. Il lui met une troisième. Et là, c'est Stan MK. Même pas, il s'en recule. Avec un balayette poche de spirale. Oh, il y a tellement pas de respect dans le jeu de cet adversaire. C'est pas possible. De MK, Yaxayate avec tout son gros poids. Oh, c'est passé dans la garde. Heureusement qu'il y a moins de hitstun que sur un Tsurugi dans ce gros poids. Parce que cette ultra elle a failli passer. Et Luffy remporte ce round là avec glissade cross down avec le combo pas raté de côté de Luffy. Il peut prendre aussi backdash de MK sur le spiral avec son vertical gros point. Il met pas de Fukage là-dedans. Il préfère être prudent sur le vertical gros point. Pas médium. Regarde la barre de vie que ça fait. Il est obligé de bourrer avec son spiral au milieu de tout ça. Parce que la pression elle est trop intense. Et Tsurugi, Tsurugi, saving backdash pour arrêter les Senai Punch, pour arrêter les pressing avec un dash en bas gros point bien trouvé. Luffy qui se met maintenant relativement à l'abri. Mais il casse les dégâts de saving avec son Tsurugi. Il est maintenant proche du coin. Il est Tsurugi la mise au sol. Attention à la blocade. Oh, quasiment un blocage. C'est pourtant gardé. Il m'échappe juste derrière. Et là c'est impossible. Oh non. Il a fait son Tsurugi. Il a fait la Karakusa un peu trop tôt. Et là c'est pas safe. Mais il préfère juste claquer les sous-satellites pour essayer de reprendre. Je sais pas ce qu'il peut reprendre. Là sincèrement, je sais pas quelle phase il va pouvoir le faire. C'est fini. C'est fini parce que ça c'est pas safe. Il tape beaucoup trop tôt. Et ça fait balle de match pour Viru. Avec juste un Karakusa qui a whiffé dans le coin, c'était à rien du tout.
Le match aurait pu être plié un peu plus tôt. Non, pas Chop dans ce Tsurugi. Évidemment, il est surpris, hein, les Tsurugi qui arrivent tard. Viru qui maîtrise de plus en plus cette technique. C'est gênant parce que tu te dis, il peut pas te mettre sans fond. Un Karakusa, c'est mal parti pour Luffy. Très mal parti. Et en plus, il reset. Avec un nouveau Karakusa, il va lui remettre. Non, il pourra avoir un chien dans la tête. Attention parce qu'elle essaie de lui rentrer le manque de respect que Luffy lui a mis avec les trois chops d'affilée. Le Tsurugi dans le vent. Hey, hey, hey. C'est stun. Wosha. Yeah. Et voilà. C'est fait. Veryu est en grande finale de ce tournoi. Et Ryan Hart n'affrontera pas une deuxième fois Veryu en loser bracket. Je suis pas sûr que Ryan soit content. Hein.